Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo auquel aujourd'hui on va faire allusion aux arpèges, aux gammes, donc à plein de choses en fait qui vont vous permettre de donner l'illusion en fait d'accélérer, de jouer vite un arpège. Donc comment en fait apporter de la vitesse à un arpège. On va voir qu'en fait c'est à la fois un arpège et à la fois une gamme, puisqu'en fait je combine ça à travers une astuce qui va en fait, je combine une technique qui va permettent donc d'apporter de la vitesse avec une astuce, donc celui que je vais vous divulguer à travers cette vidéo là. Et en fait le but est simplement de venir prendre quelques notes d'une gamme ou une gamme entière, peu importe. En tout cas là pour l'exemple je viens prendre des portions d'une gamme, donc des notes, et dessus rajouter une technique. En ayant cette pensée, cette astuce là sur l'arpège, ça va combiner les deux et créer donc l'illusion d'avoir quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, spectaculaire entre guillemets, donc d'apporter à cette gamme cette vélocité. Voilà, je perds pas plus de temps, je vous fais un petit zoom sur l'instrument et puis on voit tout ça ensemble. C'est parti. Alors ici donc qu'est-ce que je suis venu faire, quelque chose de très simple, c'est prendre en fait une gamme basique. Donc là j'ai pris cette gamme, la gamme qui est donc la suivante. Une gamme de mi quelconque, donc mi fa sol la si do ré mi, et sur cette gamme donc on serait dans un contexte de mode phrygien, et dans cette gamme j'ai pris en fait tout simplement des portions en fait de la note. J'ai pris le do, le la, le sol, le fa, le mi et le ré, c'est tout, et je suis venu finir sur l'accord de mi majeur. Ok, ensuite voilà, ma guitare n'était pas très très bien accordée. Donc en fait, ce que je suis venu faire, c'est tout simplement jouer au-delà de la gamme. Donc à chaque fois, une note en suivant. Soit donc Do, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et à chaque fois, j'incorpore en fait deux notes, ce qui va donner l'illusion en fait de la vitesse. Même si effectivement, il y a une certaine vitesse qui est mise en place. Mais en fait, ma gamme, basiquement, c'est juste ça. Ah, ça y est, le chien a enfin fini d'aboyer. Donc ma gamme, finalement, c'est juste Do, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, La, Sol, Fa, Mi, Ré. D'accord. Et ce qui donne donc cette explosion de vitesse, c'est en fait le fait de rajouter à chaque fois des groupes de deux notes qui sont identiques sur l'accord de mi aigu. Et pourquoi sur l'accord de mi aigu? Ben comme ça, ça va parfaitement avec le contexte de la tonalité puisqu'on est en mi. Et en fait, je suis venu utiliser pour ça, donc pour se faire la technique en fait du trémolo, mais pas un trémolo à quatre doigts classique, mais un trémolo à trois doigts, trémolo flamenco, espagnol plus précisément, qu'on vient tout simplement utiliser avec une portion de 3 en triolet, soit pouce, index majeur. Et je viens à chaque fois jouer une note avec le pouce et à chaque fois rajouter 1, 2, soit ici avec l'index et le majeur, ce qui me donne si, mi, mi. Donc quand je dis si, c'est la corde, hein, pas la note. Donc si, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, mi. D'accord. Donc encore une fois en termes de corde, si, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, mi, et l'accord auquel je descends brossé. En termes de notes, donc on a Do, Mi, Mi, La, Mi, Mi, Sol, Mi, Mi, Fa, Mi, 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 Ré, Mi, Mi, et donc l'accord. Lentement. Okay. Et du coup, donc, vous entraînez à faire ce mouvement en fait, de triolet petit à petit. Donc, vous prenez la corde de si, la corde de mi. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Changer de corde.
D'accord, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, donc progressivement, vous pouvez venir travailler avec un métronome. Et du coup, ça vous donne donc ce fameux riff. Hein. Et puis voilà. Do, la, sol, fa, mi, ré, mi. Et à chaque fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en incorporant une note de la gamme, suivie de deux coups sur l'accord de mi aigu en trémolo, avec l'accord. J'aurais pu incorporer même si à vide, hein. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, et l'accord, j'aurais pu faire... Mais voilà, j'ai choisi ça, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, en même temps je ne réfléchis pas forcément à ce que je fais, c'est instinctif, ça vient, et puis après voilà, je pars sur quelque chose. Mais effectivement, on aurait pu incorporer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la huitième note serait le mi majeur pour avoir quelque chose de carré. Voilà, et pour les plus avancés, vous pouvez même aller encore plus vite. Pas forcément d'accélérant en tempo, mais en rajoutant finalement plus un trémolo à 3 doigts, mais à 4 doigts, sans quelque chose qui va faire 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Alors, soit si on met la corde de si à vide. Là, je vous ai fait les deux versions, un coup avec le si à vide, un coup sans, puis etc, etc. Quoi qu'il en soit, pour les intermédiaires, débutants avancés, vous pouvez travailler donc tout simplement trois doigts petit à petit, et ça pourra même vous servir pour des accords sur des triades, des choses. J'ai les ongles trop longs, il faut que je les coupe. Et du coup, donc, vous pouvez faire des petites triades qui vous permettent 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Etc, etc, je m'amuse. D'accord, donc voilà. Donc bonne pratique à tous pour cet exercice-là. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers les commentaires ou un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à faire partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis de là, je vous souhaite à tous une belle journée, bonne pratique. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.